monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous livrer mes 5 idées de cadeaux pour la fête des pères qui est donc le 19 juin, donc c'est bientôt. Et j'avais vraiment trop envie de vous faire cette vidéo puisque j'ai loupé celle pour la fête des mères. Voilà, j'étais prise par le temps. Donc là j'ai voulu bien m'organiser pour vous la faire. Bon, je vous la fais, c'est tout juste hein, mais bon, je vous la fais quand même. Et puis de toute façon, selon moi, c'est celle de la vidéo la plus importante puisque je trouve que c'est plus dur de trouver des cadeaux pour les hommes que pour les femmes. Voilà, c'est toujours un peu une galère. Enfin, je sais pas vous, mais alors moi, c'est une galère pour moi. Je vais commencer par l'idée la moins chère et je terminerai par la plus chère. Donc c'est parti, on commence avec la première idée qui est un petit trophée pour votre papa. Donc soit il y a deux possibilités, voire trois possibilités pour ce cadeau-là. Donc soit vous rendez dans une boutique pour acheter une figurine d'un athlète, d'un sportif, et vous achetez cette figurine là et vous créez un socle pour, voilà, pour la coller dessus, et sur ce socle vous écrivez un petit mot personnalisé du genre le plus fort des papas. Je trouve ça mignon. Soit vous achetez carrément le trophée créé. Donc je sais que ça peut se faire dans des magasins un peu spécialisés sur un peu les cadeaux justement, ou alors sur internet ça peut se trouver, ou alors si jamais vous voulez pas trop dépenser, et puis même au-delà de ça, si vous voulez confectionner vous-même de A à Z le cadeau, offrir un cadeau vraiment fait maison, je trouve que c'est aussi touchant, voire plus qu'un cadeau qu'on aurait acheté, surtout quand c'est pour l'offrir à nos parents. Donc voilà, je vais vous expliquer en mode DIY comment réaliser donc ce petit, toujours l'idée du trophée. Donc c'est assez simple. Vous allez sur Google Images, vous tapez sportif, athlète, musclé, je sais pas, un truc comme ça. Et vous allez trouver une image assez simple à reproduire et qui correspond bien à un mec musclé, souriant, etc. Et là vous sortez une feuille type canson, vous savez, une feuille de dessin un peu cartonnée comme ça. Et donc en format paysage, vous allez la plier en deux. Ensuite vous allez la tourner comme ça, de sorte à avoir le pli en haut et le côté ouvert en bas. Et ensuite vous allez genre donc soit décalquer si vous avez une bonne luminosité sur votre écran, si vous arrivez à voir à travers le papier canson plié en deux, ce qui est quand même, je pense, un petit peu compliqué. Soit faire du décalquer avant avec une feuille, vous savez, la feuille spéciale pour décalquer ou quoi. Soit vous êtes un artiste dans l'âme et vous allez reproduire, vous allez faire un dessin quoi. Vous allez essayer de reproduire la photo sur votre papier. Donc bien sûr il faut que les pieds, en gros, ils touchent le côté ouvert du papier. C'est très dur à expliquer en fait. Là je me rends compte que j'aurais carrément dû vous faire une vidéo DIY. Bref, sorte à ce qu'en fait la tête soit donc reliée par le pli du papier. Et que au niveau des chaussures, que ce soit ouvert. Donc c'est pour ça, faut vraiment bien réfléchir et le faire assez grand pour que faut pas le couper comme ça, faut vraiment aller jusqu'au bout de la feuille pour qu'il y ait le pli en haut. Je sais pas si vous me suivez. Et ensuite donc vous allez créer un petit socle. Donc soit vous utilisez des choses que vous avez déjà chez vous, genre une petite boîte ou voilà, quelque chose de carré, enfin, ou alors vous créez un cube. Et vous allez coller du coup donc sur votre petit socle, votre petit cube, l'avant des pieds sur l'avant du cube et l'arrière, de sorte à ce qu'en fait ça vous fasse un petit triangle, tout simplement, que ça ait un peu plus de relief et que ça tienne mieux, pour équilibrer un petit peu quoi. Et vous écrivez votre petit message personnalisé sur le socle en mode pareil, le meilleur papa, le plus fort, etc. Et je trouve que l'attention est trop mignonne et que ça, enfin je suis sûre que ça lui fera plaisir, c'est un petit cadeau. Juste histoire de dire que voilà, vous l'aimez, que vous êtes admiratif de votre père quoi. Et puis ça lui montrera aussi que vous avez quand même gardé cette petite âme d'enfant malgré tout, malgré le fait que vous grandissez, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une idée plutôt sympa et à des gammes de prix différentes. Et puis surtout, même si vous l'achetez tout fait, ce sera quand même pas hyper cher. Du coup la deuxième idée cadeau, c'est un kit barbecue, enfin tout ce qui ramène au barbecue. Soit si vous avez les moyens à fond, vous achetez carrément le barbecue en lui-même, en sachant qu'il y a des gammes de prix différentes pour ce genre de choses. Soit vous achetez un kit, c'est-à-dire la grille, les pinces, etc., différents ustensiles pour le barbecue, et de lui faire un petit clin d'œil dans le genre « on est bientôt en été ». On va pouvoir faire des barbecues, bien manger, on compte sur toi pour en faire, etc. Puisque
si je peux me permettre, j'ouvre des guillemets parce que je fais une généralité encore, mais c'est un peu le seul truc de cuisine qu'on attribue aux hommes, le barbecue. C'est quelque chose qu'on partage en famille, je veux dire, vous n'allez pas faire un barbecue tout seul dans votre jardin avec votre chien. Non, en général, c'est pour des invités. Je trouve que c'est aussi un moment pour, dans l'avenir, savoir que vous allez partager un petit moment en famille autour d'un barbecue, et ce qui est plutôt agréable. La troisième idée cadeau, c'est un coffret. Mais avant toute chose, je voulais dire, papa, si tu regardes cette vidéo, merci d'arrêter de quitter la page, s'il te plaît, puisque ce sera pour toi, donc j'ai pas trop envie que ma surprise soit dévoilée. Ce ne sera plus une surprise, ce serait dommage. Voilà, merci. Donc c'est un coffret pour les hommes, pour se raser. Donc ça, je trouve que c'est parfaitement adapté au papa. Donc c'est la marque Big Moustache qui me l'a envoyé. C'est un coffret qui coûte 60 euros. Après, vous en avez d'autres moins chers, etc. Mais celui-ci, c'est le plus conséquent. Et il coûte 60 euros, en sachant que j'ai un code promo qui est beau poil, il me semble, et qui vous fait profiter de 15% sur le site. Donc je vous l'affiche là et en barre d'infos. Donc 15% sur 60 euros, c'est quand même intéressant, je trouve. Et il est valable jusqu'au 19 juin, puisque c'est le dernier jour, enfin, c'est le jour de la fête des pères, quoi. Et donc, du coup, sur ce site, vous pouvez commander des lames de rasoir à un prix vraiment genre moitié moins cher que en grande surface. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous vous abonnez. Ça fonctionne sous abonnement et tous les mois, vous choisissez le nombre de lames de rasoir qui me semble que vous voulez recevoir, et vous les recevez, voilà, dans votre boîte aux lettres avec un petit message mignon, des petits jeux de mots et tout. Et voilà, je trouve ça super cool. Et puis là, donc pour la fête des pères, il y a des petites variantes, enfin d'autres produits à acheter, etc. Donc je trouve ça cool. Là, on a reçu donc la box du grand voyageur avec une carte cadeau qui en fait ça vous offre un mois d'abonnement offert, donc ça c'est plutôt pratique pour commander d'autres lames à l'avenir. Avec vous la petite box qui est trop chou. Donc là on a un petit message déjà que je trouve mignon. Bienvenue au club, vous allez être de bon poil. Donc, de toute façon tout le colis est comme ça, toute la marque en elle-même est comme ça, c'est toujours avec des petits jeux de mots et tout. Et donc on a la big trousse. Voilà, la trousse du grand voyageur, les couleurs parfaites pour les hommes je pense. Design au top, etc. Donc je vais vous montrer ce qu'elle contient. D'abord je tenais à dire que j'ai adoré le fait qu'il y ait un crochet comme ça pour pouvoir vraiment l'accrocher partout, en vacances l'emmener plus facilement, etc. À l'intérieur on a du rangement aussi, on a un petit espèce de grillage comme ça là. On a aussi deux petites pochettes ici et une autre grande pochette avec un zip là. Là on a un code promo de 20%, donc c'est toujours pratique. Et c'est parti pour les produits. D'abord on a un petit bol comme ça, bon il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais un petit bol comme ça. Et dedans il y avait un savon à barbe comme ça. Il y a aussi un produit que, alors là j'ai adoré, et j'espère qu'il aimera autant que j'ai trouvé ça cool. Donc un petit cicatrisant, après rasage. Donc c'est un stick en fait. Et j'aime bien parce qu'il y a marqué attention, ceci n'est pas un suppositoire, vu la forme. J'ai trouvé ça chou. Oula, tout simplement. Donc ça c'est pratique s'il se coupe en se rasant, ce qui peut arriver. Ensuite on avait bien évidemment une crème à raser. Donc c'est la très très fraîche crème à raser. Donc prépare et protège la peau. Bourrée d'huile de coco, d'aloe vera avec un poil d'eucalyptus, toujours. Fabriquée en France avec amour. Formulée pour les hommes sensibles. Donc ça c'est cool. Pour finir on a une toute petite pochette avec le rasoir, avec les lames de rasoir avec le rasoir. Et là je peux vous dire que c'est pas du bas de gamme. C'est un petit blaireau. Et moi je sais que mon père, le sien, il l'a depuis des décennies quoi. Pour vous dire qu'il est temps de changer. Donc voilà, ça va être cool. Et je trouve ça marrant parce que ça donne un petit clin d'œil en mode oui, il faut que tu te rases un peu plus souvent parce que tu piques. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais eu l'idée d'offrir ça et pourtant je trouve que c'est parfait. Ensuite, pour la quatrième idée de cadeau, c'est un massage. Voilà, vous offrez une séance de massage soit pour lui, seulement pour lui, soit si vous avez un peu plus les moyens pour lui et votre mère par exemple, votre père et votre mère, ça peut être cool pour eux. Ou alors carrément, alors là vous sortez de grand jeu si jamais vous avez les moyens, si vous pouvez demander une participation à votre frère, votre soeur, votre mère même. Carrément vous payez pour votre famille un week-end dans un spa.
hôtel spa. On arrive à une période de l'année où je pense qu'on est tous fatigués, etc. Des cours, mais alors les parents de leur travail, peu importe le type de travail. Et puis même si c'est un peu un cliché ou une généralité, souvent voilà, les hommes ne prennent pas de temps pour eux, de temps pour se détendre et prendre soin d'eux. Et je trouve que c'est cool de pouvoir penser à eux à travers ce geste là, un massage. Parce que je sais pas vous, c'est triste à dire, mais en tout cas moi je sais que je passe plus de temps sur mon téléphone, mon ordinateur, les réseaux sociaux ou quoi, qu'à discuter avec ma famille. Donc c'est hyper triste, enfin je sais pas si je passe plus de temps, mais au moins autant de temps. Or ça devrait pas. Je trouve que du coup s'offrir un week-end comme ça, ça va vous permettre de vous détendre ensemble, profiter ensemble, rigoler ensemble, recréer des liens peut-être que vous aurez perdu. Enfin voilà, parce que c'est beaucoup d'angoisse, genre la fin de l'année, si vous êtes son enfant, votre scolarité, votre passage à telle année, ou carrément si vous êtes en terminale, le bac, les études, les partiels, tout ce que vous voulez. C'est beaucoup d'angoisse pour les parents, mine de rien. Et puis et donc voilà, je trouve que de la détente à cette période là de l'année, je trouve que c'est le meilleur moment. Et ensuite, la dernière idée cadeau de cette vidéo, ce sont des montres Daniel Wellington, ou des montres en général hein. Je ne suis pas sponsorisée par Daniel Wellington particulièrement, mais je trouve que c'est des montres bon rapport qualité prix en fait, c'est pour ça que je vous les présente. Moi vous savez que j'en ai 3 de cette marque là, et je les trouve super belles et je les trouve assez basiques, donc je pense que vous pouvez pas vous tromper. Il la trouvera forcément belle, je trouve, avec ces montres là. J'ai un code promo pour vous qui est le code BeYourself, et ça vous donne 15% sur l'achat d'une montre sur le site. Donc ça je trouve ça hyper cool. Par contre le code est presque périmé, voilà, il se finit le 15, donc foncez. Aussi encore pire, vous pouvez aussi recevoir un bracelet gratuit, donc genre un bracelet en tissu comme ça, en plus de l'achat de votre montre, jusqu'au 13 juin seulement. Donc profitez-en. Une montre pour un homme, je trouve que c'est super beau, ça lui fera plaisir et c'est l'accessoire que les hommes portent le plus. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes petites idées cadeaux vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez offrir à votre père pour la fête des pères, si vous allez lui offrir quelque chose, puisque après tout c'est un peu commercial tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des petits pouces bleus, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour tous vos abonnements d'ailleurs. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Tout le monde, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.